Somebody call me Rewind. Somebody call me Rewind. 날 신경 쓰지 않을래. 나도 그럼 어때. Someone. Pourquoi ? Parce que à chaque fois quand t'es venu, quand, presque tous les jours, il y a du vent. Oui, il y a au moins un léger souffle d'air frais. Ouais. Nous sommes à Kaohsiung, il est 1h30. On vient de Thaïlande, du coup, enfin, c'est un trajet de une demi-heure en train. Super rapide. On a posé nos affaires à l'auberge. On va manger un petit morceau vite fait. Et ensuite, nous filons pour explorer Kaohsiung. Donc Kaohsiung, en fait, c'est la ville qui est vraiment la plus au sud de Taïwan. Je pense que j'aurais mis une carte. Et du coup, on est au bord de l'eau. C'est un très gros port. C'est une ville assez importante. Il y a pas mal de choses à voir. Mais on reste très peu de temps. Donc, va falloir optimiser. J'ai essayé de faire un peu le planning. Ça va être bien chargé, bien dense. T'es prête? Yeah! Oh mon dieu! L'enthousiasme de cette fille m'éblouit toujours incroyablement. C'est pour ça que je t'aime, Shanting, tu sais. Il faudra qu'on tourne par là-bas. Enfin, de son avis. Je suis amoureuse pour la troisième fois. Plus sérieusement. C'était cool, franchement. En fait, il y a beaucoup de. Comme dit Clara, c'est des trucs hippie bobo. Hipster bobo. Ah, c'est ça, hipster bobo qu'elle dit. Donc, en fait, c'est beaucoup de petits trucs un peu spéciaux, des petits artisans. Faut pas trop chercher la logique, mais c'est cool à regarder. Genre, moi, personnellement, moi, j'adorais. On va à l'observatoire de la plus haute tour de Kaohsiung, qui est la deuxième plus haute tour de Taïwan. Et donc on va au 74e étage. Mais alors pour avoir été dans les autres tours, très hautes tours, dans l'ensemble, il n'y a personne. Et l'ascenseur est vide. C'est une attraction touristique. Mais c'est complètement planqué. De l'extérieur, on ne voit pas de panneau sur comment y aller. Enfin, c'est assez dingue en fait. Manufacturing in there too. And are there still fishmen there?
on Tsim Tsim? Yeah, fishmen are still there. Okay. And out there, that is not the fishmen, that it's the ship waiting on the waiting list to come into Kaohsiung. So many. Kaohsiung Harbor to either loading or unloading the good. You see? So but many of them. They lock outside, they don't have to pay any rent. But oh. As soon as they come into Kaohsiung Harbor, every minute they have to pay for it. Oh, donc j'ai brièvement filmé, donc on est un monsieur Carlton, qui s'appelait monsieur Carlton, on va l'appeler monsieur Carlton, qui est venu nous faire une petite explication du port de Kaohsiung. Et il était adorable et passionnant. 70 ans et quelques, un très bon niveau d'anglais, très intéressant, impressionnant. Ce monsieur était vraiment impressionnant. 如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍惜？也许人生某一人过着平凡的日子，不知道会不会也有爱情甜如蜜。 Deuxième jour à Kaohsiung, là on est un petit peu dans la banlieue de Kaohsiung pour aller voir un lac artificiel très ancien avec normalement plein de jolis petits pavillons autour. Entrer dans le labyrinthe et emprunter la boue du tigre ou du dragon. La colline qui surplombe Sedlin Island.
Il y a plein de, à la fois de villages de pêcheurs, ce que nous expliquait le monsieur hier quand on était dans la Sky Tower, qui est donc là. Donc il y a plein de maisons de pêcheurs, et aussi plus loin là-bas, il y a des entrepôts et des fabriques de yachts. Sur notre trajet pour être à une sortie de métro, une station de métro en particulier, pour une raison très simple, elle est connue pour avoir une architecture très spéciale et elle est apparue dans mon drama taïwanais préféré Black and White. Et donc il fallait absolument que je la voie, et je la vois. Tout ce qu'elle a dit. Donc Kaohsiung, ça gère. Je suis contente. Genre, je m'attendais pas, enfin, j'avais des potes qui m'avaient dit qu'ils aimaient pas Kaohsiung. Donc j'avais un peu un a priori négatif et j'étais très très agréablement surprise. Contrairement à moi, où j'ai beaucoup de membres de la famille qui sont passés par là, notamment l'une de mes très chères cousines qui bossait ici. Du coup, moi j'avais au contraire un bon a priori et j'ai pas du tout été déçue. Voilà. Mais maintenant on s'en va déjà, alors il est un peu tard, on va arriver super tard, ça va être dur. Mais on va prendre le train pour Taïtung, ok? On passe récupérer nos affaires et nous sommes partis vers de nouveaux horizons. AKA une ville à 3 heures de train.